Bonjour et bienvenue dans notre série pour les jeux de voiture. Du coup, aujourd'hui, on va éditer nos scripts pour faire bouger notre véhicule. Ce que j'ai fait, c'est que ma caméra, je l'ai placée à l'intérieur. Je l'ai juste bougée histoire de voir comment que les roues vont se comporter. J'ai replacé aussi le véhicule un peu sur la map, sur le circuit. Donc aujourd'hui, on va éditer nos scripts. Alors ici, on avait un fix update. Nos inputs, on appelait notre fonction move du contrôleur move qui va récupérer les inputs et appeler des fonctions pour faire avancer le véhicule, freiner, tourner et avoir un petit frein automatique. Ok, on va d'abord s'occuper du moteur engine. Pour le moteur engine, bah, il va nous falloir une puissance pour le moteur. Du coup, je vais créer une public float moteur force. Je vais pas utiliser moteur torque. On verra pourquoi plus tard. Moteur force, je vais mettre une force de 2000. On verra après. De toute façon, les variables, je les mets en public histoire qu'on puisse les modifier plus tard. Ok. Pour ajouter de la force à nos wheel colliders, il va falloir déjà référencer les wheel colliders. Alors, on va avoir besoin des wheel colliders, d'un tableau. Alors, je vais wheel collider, un tableau. Il y aura quatre roues qu'on va appeler wheels collider, wheel colls. Et on va avoir aussi un tableau pour les mèches de nos roues, hein, nos modèles 3D. Je vais juste prendre un transform, un tableau, et on va appeler ça wheel mesh ou modèle comme vous voulez. Mesh, on va mettre modèle, models. Ok, je les ai mis en privé, public, je les renseigne à la main. On pourrait renseigner directement via script, mais vous imaginez le travail à faire. Il y a 8 roues à renseigner. Ok, on a des tableaux. Pour éviter que le tableau s'efface, ce qu'on va faire, enfin que les scripts s'enlèvent, on va bloquer la fenêtre ici. On va prendre nos modèles, on prend toutes les roues, on va les mettre dans le tableau des modèles. On va prendre aussi les colliders, hein, les wheel colliders. On va le mettre dans le tableau wheel collider. Par défaut, j'ai fait en sorte que la roue avant gauche soit en élément 0 pour le wheel coil et pareil pour le modèle. FL, FR, RL, RR. Ok. Ce qu'on va faire du coup, c'est dans une update, on va reprendre les positions et rotations des wheel colliders. Quand notre roue va tourner, alors c'est pas le wheel collider qui tourne sur lui-même, c'est enfin c'est pas l'objet qui tourne, c'est pas le transform qui tourne sur lui-même, c'est plus interne, hein, c'est au script du wheel collider. On va récupérer ces valeurs de position comme ça et de position quand les roues avant tournent par exemple. Du coup, on va faire ça dans une update dans le contrôleur directement vu qu'on a accès au tableau. Du coup, je vais créer une void update. Bon, je vais pas faire une méthode pour ça, mais c'est simple. On va prendre nos wheel collider, on va faire un for, une boucle for, qu'on va appeler 4 fois cette boucle, hein, pour chaque roue. On va dire que wheel calls à l'index i. À chaque fois, hein, la boucle fait un tour, on le monte de 4 fois, une fois à l'index i, 1, 2, 3, 4. Ok. Il a une fonction getWorldPose, ce wheel collider, qui renvoie en fait un vecteur 3 pour la position et un quaternion pour la rotation du wheel collider.
on va renvoyer ces infos dans des variables qu'on va créer juste au-dessus. Alors un vecteur 3 pour la position qu'on va appeler pose et un quaternion qu'on va appeler rotation. Ok, et on va y mettre ces valeurs out pose et on va renvoyer leur rotation dans rot. Parfait. Et on va dire que du coup nos modèles, pour qu'ils suivent un peu ce que fait le collider, alors will models au même index, index i point, alors c'est déjà des transforms, du coup sa position va être égale à pose du will collider, et pareil will model à l'index i, alors je mets 1 je sais pas pourquoi, point rotation est égal à rotation rot. Ok, on récupère des valeurs du will collider 4 fois, paf, et on les met dans chaque modèle. Parfait, c'est dans une update, ça se fait tout le temps, et d'ailleurs c'est ce que Unity nous propose de faire quand on joue avec les will collider. Ok, du coup ces will collider, maintenant que j'en ai une référence, je vais pouvoir leur appliquer une force de rotation. On pourrait faire une boucle for encore une fois. Ouais, ça va être plus simple, on va pas s'embêter. On va le faire pour une 4 roues motrices. Alors, par défaut, j'écris for, j'appuie sur tab, et hop, ça m'écrit automatiquement la fonction. On va le faire 4 fois, on va faire pour une 4 roues motrices, et après on verra comment faire d'autres. Enfin, choisir par exemple une propulsion ou une traction. Alors, on va dire que will collider. Alors là, on va jouer qu'avec les colliders. À l'index i. Oh, pourquoi je mets un point, il a des fonctions motor toc pour tourner sur lui-même, en avant ou en arrière. Qui va être égal à quoi? À notre puissance du moteur, moteur force, qu'on va multiplier par l'input. Hein. L'input va être de moins 1 si je freine, de plus 1 quand j'avance. On va demander cette valeur ici, on va l'appeler Axel, et qu'on va multiplier par Axel. Motor Engine, il va lui falloir une référence à cette flotte, Axel, et on va le demander dans Input. Input, on va appeler ça Axel Input, histoire de ne pas se tromper. Axel Input, qu'on va renvoyer dedans. Axel Input. Ok, et dans notre manager, dans move, axel input, et ben ça va être input.getAxis, l'axe, pour les touches pour l'accélération, c'est l'axe vertical, hein, haut et bas, Z, S et flèche de haut, flèche de bas, ça s'appelle horizontal. Alors attention à l'écriture, horizontal, j'ai dit non, vertical, je suis bête, vertical. Puis bah voilà, je pense que c'est bon. Control Match S, on va tester ça. Ok, nos collecteurs sont mieux renseignés. Je vais sauvegarder avant que ça crache. Ok, j'avance, je recule. Alors là, on voit l'arrière qui se soulève. En fait, les roues patinent sur elles-mêmes. Hein. Là, pareil, j'avance. Plaf. On voit que ça met un peu de temps. La voiture freine pas, hein. Elle patine sur elle-même, on lui a donné une force vers l'avant, du coup il va vers l'avant. Ok, là notre voiture accélère bien. Du coup, on va faire la direction maintenant. On verra le freinage un peu plus tard. D'ailleurs, on bloquera Axel pour dire que quand j'appuie sur Z, il va juste avancer. On va bloquer ce float juste pour avancer. D'ailleurs, on pourrait le faire maintenant. En fait, on va faire le freinage dans une autre fonction. Par exemple, on va dire que axel input est égal à, on va utiliser matef, clamp, on va clamper axel input et il nous demande la valeur, bah, axel input
un minimum et un maximum. Moi, je veux juste accélérer avec ce float. Du coup, je vais le clamper entre 0 et 1. Je veux pas qu'il soit négatif, hein. Comme ça, si j'appuie sur Z dans mon axe axel, eh ben, il n'ira jamais en négatif en fait, parce qu'il sera bloqué entre une valeur 0 et positif. Ok? On fera le freinage dans une autre fonction. Du coup, là, on ne peut plus freiner. On ne peut plus reculer non plus. On verra plus tard. Ok, steering. String va demander un peu plus de travail. Ici, on va demander will collider, will calls, alors moi les roues avant sont sur le tableau éléments 0 et 1. On a une fonction steering qui va être égale à quoi? Ah, il va falloir nos inputs encore. Alors float steer input. Ok. On va multiplier par cinput. Problème de notre input là, c'est qu'il va que de moins 1 à 1. Faudrait tourner les roues un peu plus que ça. Du coup, pour ça, je vais créer une direction assistée dans notre jeu. Et alors cette fonction, je vais pas la détailler au maximum. Direction assistée, d'ailleurs. Je vais pas la détailler ce calcul mathématique. Parce qu'il y a Unity pour les nuls qui en a fait une vidéo et qui a fait des recherches pour ça, qui explique très bien. Du coup, si vous voulez vraiment savoir comment fonctionne le petit calcul mathématique, moi je vais vous l'expliquer vite fait. Mais allez voir quand même la vidéo de Unity pour les nuls. C'est lui qui a fait le travail et moi j'ai juste récupéré. Parce qu'en fait, c'est super bien et ça marche tellement bien que j'ai pas envie de créer un nouveau truc en fait. Pas besoin. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais détailler mes variables moteur steering. Ok, steering. Pour faire notre calcul mathématique, qui va demander un angle minimum, par exemple, quand on sera à pleine vitesse pour notre véhicule, il faut pas qu'on puisse tourner vraiment à fond. C'est pour ça qu'on dit que c'est une direction assistée. Et quand on ralentit, qu'on est presque à l'arrêt, là on peut tourner vraiment avec un angle maximum. Du coup, il va me falloir deux angles. Alors, je vais créer des publics float, comme ça on pourra les changer dans l'inspecteur. Alors, steer max angle, qui va être à 55, on fera des tests. Et un public float steer minimum angle. On va le mettre à 5 par exemple. Vu que ça va calculer notre vitesse, il va nous falloir notre vitesse actuelle du rigid body. Du coup, on va demander ici le rigid body. On va aller le chercher. RB, qui lui a une connaissance de notre vitesse actuelle dans le jeu, dans la scène. On va l'assigner à la WEC. RB. Alors c'est directement sur le même objet où le script a été mis. Du coup, RB est égal à getComponent rigidBody. Ok. Histoire de voir. Notre vitesse, je vais mettre une variable publique. Alors là, je vais marquer speed. Ok, public float speed. On va mettre current speed. Ok. Il y a différentes manières de récupérer la vitesse actuelle du rigid body. On pourrait faire, par exemple, on pourrait dire que dans une update, hein, tout le temps, on va mettre à jour current speed va être égal à rb. Velocity.magnitude, hein, la vitesse dans la scène. Current speed, il va falloir une vitesse maximum aussi. Float, max speed.
Mais t'as par exemple 240 km/h. Alors, Cure Speed, c'est pas une vitesse en km/h. Hein. Il va falloir convertir plus tard pour avoir des km/h. Là, par exemple, je dis 240 km/h. Mais va y avoir un petit problème de calcul entre les deux. En fait, on n'arrivera jamais à atteindre 200. Déjà, atteindre 100, ça va être difficile. Ok. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mis mon input ici. On le fera après. Ok. Calcul mathématique. Il nous faut. Alors, que je me gourre pas. Ça. Stir minimum angle moins stir maximum angle. Qu'on divise par la vitesse maximum, max speed. Qu'on multiplie par speed. Alors, current speed. Et qu'on ajoute max. Alors, stir max angle. Ok, vous voyez le genre de calcul. C'est pour ça, c'est assez chiant à comprendre comment que ça fonctionne. Comme je vous dis, le mieux c'est d'aller voir la vidéo de d'Unity pour les nuls. Ok, on a notre DA. Du coup, on va multiplier notre input par rapport à la DA. Si mon véhicule roule au maximum de sa vitesse, 240, par rapport à ce calcul, 240, en fait, notre DA va être de 5, le minimum. Ici, le minimum. Si on roule à 0 km/h, qu'on est à l'arrêt, l'angle sera au max. En fait, il va déduire petit à petit, plus on va vite, et plus on réduit jusqu'à 5. Okay? Ce qui évite, comme je vous dis, de pouvoir tourner trop fort quand on va vite. Là, on l'a fait pour une roue, on a deux roues à tourner, l'élément 0 et l'élément 1. Parfait. On verra le freinage beaucoup plus tard, on va mettre nos inputs ici. On va demander un deuxième axe, float, steering, steer, angle, ou steer input. Vous mettez le nom que vous voulez. Ouais, je change à chaque fois que je fais des tutos. Ok, steer input, on va le mettre aussi dans le manager. Deuxième paramètre. Input, alors là c'est vraiment l'axe horizontal. Du coup, je vais faire un copier-coller et là on veut get axis horizontal. Ok, je vérifie, mais normalement tout devrait être bon. Ok, contrôle maj S, je sauvegarde et on va tester ça. Ok, je vais fermer ça. Alors d'ailleurs, je vais sortir aussi du truc. Là, max force, ok. Current speed, on pourra checker ici dans l'inspecteur notre vitesse. Enfin, la vitesse du rigid body. On teste. Là, je suis à l'arrêt. Je peux tourner les roues. Ouais, 55, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est un peu fort. Ouais, c'est pas trop mal. On voit que notre véhicule réagit pas trop mal. Bon, il n'y a pas encore de freinage, du coup je peux pas vraiment ralentir. Et on voit que notre véhicule se comporte un peu bizarre. Voilà, putain, ouf, je suis parti. Et puis il glisse beaucoup trop fort. Je vais relancer le jeu. On peut voir aussi que par rapport aux suspensions, je sais pas où est placé notre centre de gravité. On dirait que notre véhicule fait plusieurs tonnes. Alors qu'il est censé que faire 1500 kg. Ok. On voit, je sais pas si ça se met bien à jour nos roues. Normalement, ça se met bien à jour. Là, c'est pareil, on n'a aucune indication si le pneu dérape ou pas. On verra ça dans le prochain but. Bon, je suis prêt à me retourner. Ok. Ce qu'on pourrait faire avant de se quitter, le rigid body ici, il a
un centre de masse. Alors, le centre de la masse. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un empty pour déplacer ce centre de masse. Center mass. Et en fait, pouvoir jouer avec ce centre pour déplacer la masse du véhicule. Hein, pour faire des trucs un peu rigolos. Surtout pour être un peu plus précis. Je vais demander une référence à ce centre. Transform. Alors, j'ai copié le son. Center of mass. Tac. Je vais le référencer dans le WAC. Center mass est égal à transform.find center of mass. Ok. On pourrait l'assigner directement ici, mais j'aime pas faire ça dans le WAC. Je vais prendre la fonction start d'Unity et dire que RB. Je vais redéplacer le centre de masse du rigid body. Point. Center of mass est égal à notre point centre masse point local. Alors center of mass, hein, c'est des positions. C'est un vecteur 3. Point local position. Attention, local. On ne veut pas mettre le centre de masse sur le monde. Hein. Par rapport au monde, mais bien par rapport à son parent. Ok. Alors, ma masse par défaut s'est mis ici. D'ailleurs, pour pouvoir voir comment que ça fonctionne, je vais le déplacer un peu hors du véhicule. On peut faire des trucs un peu foufou. Je vais le déplacer là, par exemple. Je vais sauvegarder. Et si je mets play, tout le poids, toute la masse de notre véhicule, tout le poids, est centré sur ce point-là. Ok. Du coup, ça fait des trucs un peu bizarres. Je vais le mettre à peu près devant le véhicule. F. Je vais me avancer un peu vers le véhicule. Par exemple, ouais, alors on peut le mettre hors du véhicule. Même si en vrai, ça serait impossible. Notre véhicule, vu que c'est un 4x4, je vais le mettre à peu près au centre. Ok. C'est pas très réaliste, hein, parce qu'en vrai... Si vous faites bien attention, il y a des véhicules où les sièges sont un peu plus vers l'avant. Hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poids à l'arrière. Par exemple pour les voitures familiales. Et par contre, pour les voitures de sport, souvent les sièges sont soit au milieu, quand la voiture est bien répartie, niveau poids, entre le poids du moteur, le réservoir, tout ça. Il y a même parfois des véhicules qui sont assez spéciaux, où par exemple les sièges sont placés pratiquement sur les roues arrière parce que le moteur est lourd et que la voiture est trop légère, du coup faut répartir le poids sur chaque roue et du coup on déplace certains trucs. C'est pour ça qu'un véhicule avant d'être designé, c'est pas fait n'importe comment, hein. Donc nous c'est une Nissan à la base, hein, le poids est un peu plus vers l'arrière, c'est pas ouf mais c'est pas mal. Il me semble de mémoire que la voiture qui a le meilleur centre de gravité, enfin le ouais, meilleur centre de gravité, il me semble que c'est les petites Mazda. Petit modèle, et en fait le centre de gravité est assez bien réparti entre les quatre roues. Du coup c'est des véhicules qui adhèrent énormément les routes. D'ailleurs c'est des véhicules en compétition qui sont beaucoup utilisés en Angleterre. Ok, on papote de voiture. Va falloir bien qu'on construise notre jeu vidéo. Voilà, mon véhicule, on voit les suspensions. Ça bouge beaucoup moins. Je sais pas où était placé le centre de gravité, peut-être vers le haut. Là, du coup, c'est pas mal. Par contre, je fais des tout droits impressionnants. Vous voyez, je reste longtemps. Va falloir régler aussi ça, la tenue de route. Va falloir aussi qu'on gère les freins de notre véhicule. On verra ça dans le prochain épisode. Parce que là, la vidéo commence à durer un peu de temps. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde!